Bonjour Noémie, bonjour Bruno. Cette année, un nouvel expert va se joindre à vous. Son nom, Michel Sarran. Chef renommé, il mettra son savoir-faire culinaire au service de votre quête de l'excellence boulangère en mettant au défi nos artisans. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce pain. C'est audacieux, je ne m'y attendais pas. La mission de votre trio est de trouver la meilleure boulangerie de France. Salut Michel, bienvenue. Bienvenue Michel. À cheval, on a du pain sur la planche. On va pas rester habillé comme ça toute la saison quand même. Quatrième jour de road trip boulanger dans le pays, Bordelais. Aujourd'hui, notre jury découvre l'entre-deux-mers, non pas le vin, mais bien la région naturelle aux portes de Bordeaux, enserrée entre la Dordogne et la Garonne. Sur ces terres vallonnées, tout n'est que jolies bourgades, vignes et paisibles prairies qui voient passer petits lapins, jolies musaraignes et parfois même de grosses bêtes. Ça, c'est la vache. C'est bien, mon Bruno. Bah, tu sais, moi, je suis un taureau, donc je connais un peu ça. Ça va? Oui, ça va. Ça va, tes chevilles? Ah, il y a une qui est gonflée. Première étape à Créon, dans la boulangerie XXXXXL de Stéphane, où Julien et William, chefs d'équipe, créent des merveilles avec leur gigantesque équipe de 42 personnes. Ce levain au basilic, cette recherche, cette idée, je trouve ça plutôt très intéressant. Second stop, Libourne, où Xavier, un artisan fraîchement installé, réapprend aux clients du quartier le beau et le bon. C'est une reconnaissance de dire bah, « je livre un tel ». Ils sont connus déjà, ils ont déjà voilà, une réputation, donc oui, j'en suis fier de les servir. Et aujourd'hui, c'est notre jury qu'il faudra servir et surtout séduire. Chaque boulangerie a son style et ses atouts, et même si on est ici entre deux mers, nos experts, eux, ne sont jamais entre deux eaux. Alors Noémie et Bruno, on est tout ouïe pour vos avis. Ah oh non. Ah, de toute façon, c'est un début de film d'horreur là. C'est massacre à la tronçonneuse. Pour commencer en beauté, partons à la découverte des deux boulangeries du jour. À l'issue de cette visite, une première note sur 10. Notre journée dans les terres de l'entre-deux-mers débute à Créon, à 25 km de Bordeaux. Cette petite ville de 4880 âmes est née en 1315 sur le modèle des Bastides. Ces cités médiévales, qui se sont développées essentiellement dans le sud-ouest de la France, avaient pour caractéristique d'être construites en damier autour d'une place carrée utilisée pour le commerce. Créon s'est d'ailleurs fait très rapidement une belle réputation dans la région grâce à son marché hebdomadaire. Il se tient encore aujourd'hui tous les mercredis matins sur la grande place de la Prévôté, typique des Bastides, avec ses arcades, avec en pleine saison une centaine de commerçants et de producteurs. Et à 2 km de là, sur la route qui conduit à Bordeaux, on trouve la tout aussi commerçante, mais surtout monumentale boutique de Stéphane et Cathy, entourée de leur gigantesque équipe. Oh là, il y en a du monde! Attention, ça va faire du bruit! Un Créon! Et surtout, tout est immense. Avec 700 mètres carrés de surface, cette boutique est l'une des plus grandes boulangeries de France. C'est Stéphane et sa famille qui ont créé ce projet un peu fou en 2008 dans une ancienne usine de pneus. À l'époque, ils étaient déjà propriétaires de plusieurs établissements. Quand on a trouvé l'emplacement ici, on s'est concentré sur cet emplacement parce que, en fait, il y avait un très très joli potentiel. Et donc rapidement, on a eu une très très belle équipe qui nous a rejoints. Avec plus de 1000 clients qui franchissent les portes de la boulangerie chaque jour, c'est sûr qu'il faut une sacrée équipe pour produire d'énormes quantités, sans négliger la qualité. Ils sont donc 44 à relever ce challenge, dont deux chefs d'équipe expérimentés, William pour la partie boulangerie et Julien pour la pâtisserie et la viennoiserie. Présents depuis le lancement du projet, ils ont rapidement gagné la confiance de Stéphane. Stéphane n'a pas arrêté de développer le magasin. C'est très intéressant, ça nous permet à nous de prendre de nouvelles responsabilités à chaque fois qu'il y a un développement du magasin. On a géré un petit peu la conception des labos, c'est-à-dire qu'on a eu notre mot à dire sur l'implantation, sur le matériel, sur les machines qu'on utilise aujourd'hui. Stéphane nous met des machines aussi qui simplifient notre travail, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une gamme aussi large. Une gamme pour laquelle Stéphane leur laisse carte blanche. Avec son armada de 19 pâtissiers, Julien met l'accent sur les petites pièces et le travail du chocolat.
William, quant à lui, a convaincu le patron de passer toute la gamme de pains spéciaux en bio et d'utiliser des farines à base de blés anciens. Ce qui peut impressionner les clients, c'est cette gamme énormissime, c'est très large, il y a du choix. Celui qui vient et qui trouve pas son compte, c'est pas qu'il fait esprit, mais c'est pas loin. C'est difficile. Ouais, voilà, ouais. Le fournil, la pâtisserie, les halles, il y a un primeur qui est devant, c'est immense. Oh, j'adore ce petit arbre de vie et regarde, passion, qualité, savoir-faire, persévérance, travail d'équipe tout en bas aux racines, c'est que ouais, tu vois, c'est une équipe très soudée. Ouais. Moi, je suis déjà venu ici, Noémie. Ah bon ? Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Papa, enchanté. Bonjour Noémie. Bonjour Noémie. Bah Bruno, ah, Noémie, qu'est-ce que tu fais ? T'es déjà arrivé là-bas, toi ? Allez, viens. C'est assez grand. Stéphane, Cathy, nous, on se connaît. On s'est déjà rencontrés sur des manifestations en boulangerie. Mais nous, on ne se connaît pas. Salut. Et moi, je veux tout savoir. Bonjour. Donc déjà, vous êtes accompagnée de votre équipe de vente. Je vous présente Justine, responsable en bonjour, chocolat. Bonjour, enchantée. Coralie, enchantée. Sarah. Et Sandrine, qui est avec nous depuis 15 ans. 15 ans ? Oui, depuis l'ouverture. Et vous avez hésité à son prénom, hein ? Oui, c'est normal. C'est pas très pardonnable. Alors, c'est depuis effectivement peut-être 15 ans, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de vendeuses. On est 13. Bon, super. Je vous laisse avec ces charmantes dames. Eh bien, très bien. Merci Stéphane, à tout merci à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Très très bel étalage de pain. Te dire de pain au levain, bio, tous. La tourte de sec qui est très belle, on a du pain et des graines. On a beaucoup de variétés anciennes, on a le barbu du Roussillon, le corazan, l'épeautre d'Asturie, l'engrain noir. Donc la belle brioche qui a remporté le premier prix. La super brioche, oui, qui est vraiment le produit phare maintenant de la boulangerie. Okay. Très très beau cannelé fait maison. Qu'est-ce que c'est que cette petite gourmandise là ? Base de fondant et dessus vous avez du praliné amande noisette avec des petits cubes de gianduja. Et donc là, on arrive sur la partie pâtisserie, oui. La collection. J'aime bien compter les gâteaux, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah, 26 variétés. Oui. Ah, 26, tu m'étonnes qu'il y a une armée. On va avoir des entremets, mousse, on va avoir les choses les plus traditionnelles, les millefeuilles, les Paris-Brest. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon rêve d'enfant. Est-ce qu'on peut mettre les doigts ? Vous serez déçus du goût. C'est un mur de chocolat, exactement. Mais c'est juste pour la décoration. Exactement. Justine, je vois pas de snacking. Le snacking, ça va se passer du côté des Halles, avec Anthony, du coup. Très joli, avec les petits papiers peints et tout. Ouh là, là, on arrive dans le... Donc là-bas, c'est le pain, la pâtisserie, et ici, plutôt le parti salé. Exactement. Bonjour, Anthony. Bonjour. C'est vraiment très beau. Regarde, là, c'est quoi ? C'est des petits légumes croquants ? Exactement. On a des focaccia, des burgers... Tout un tas de bruschetta déclinées, du plus végétarien au plus carnivore. C'est quoi ces petites bûches trop mignonnes ? Une bûchette lentilles, foie gras, coriandre. Voilà. Moi, cette bûche me parle, j'ai vraiment envie de la goûter, je trouve ça très original. L'idée est formidable. D'avoir un petit peu chemisé ça avec des lentilles. Ils sont très bien cuits parce que ça croque légèrement, ça fond. On a une petite gelée. La coriandre est très discrète et le foie gras est super bien assaisonné et très bien cuit. Alors ça, je suis traiteur, je vais vous piquer l'idée. Moi, je vais goûter du pain hein, parce qu'il y a du joli pain. Là, je vois qu'à côté de la tourte de seigle, vous avez un pain qui est un peu zébré, là. Le pain de campagne ? Ah, celui-ci, ouais. Ouais. On a une très jolie fermentation. On a une mie qui est un petit peu épaisse. C'est un pain qui va très bien se garder. On a une croûte ici qui est bien marquée. On a une belle cuisson. Légèrement d'acidité à l'odeur. Par contre, gustativement, c'est très doux. Je trouve ça parfait. Très bien. Pour moi, ça vaut 10. Si je ne mets pas 10 aujourd'hui, je ne le mettrai jamais. On a une très belle gamme de pains. Très belle viennoiserie. Une pâtisserie magnifique. On a un rayon traiteur qui est très beau, original. Moi, je déguste ce pain de campagne avec une très belle fermentation. Il y a du levain, on a une belle cuisson. On est aussi fort en pain, en viennoiserie, en pâtisserie qu'en traiteur ou snacking.
exceptionnel. Bravo. Je vais mettre la note de 10 sur 10. C'est un sans faute. C'est magnifique. Les produits sont dingues. La pâtisserie est moderne. Sur la partie traiteur, un coup de cœur, cette petite bûche avec les lentilles et le petit foie gras à l'intérieur. Fallait avoir l'idée. C'est bijou, bravo. Notre jury est tout simplement ébloui par cette avalanche de gourmandises. Stéphane le patron et ses chefs d'équipe, Julien et William, peuvent être fiers. Ils décrochent l'indiscutable moyenne de 10. Allez, on reprend la route pour 20 km direction Libourne. Et devinez quoi ? Eh bien, cette ville de 24 557 habitants est aussi une bastide. Eh oui, encore une. Elle a été créée en 1270, presque 50 ans avant celle de Créon. Bon, du coup, on ne vous réexplique pas le principe de la Bastide, hein ? Vous avez compris ? En revanche, on va vous parler de la position très stratégique de Libourne. Ses fondateurs ont eu la bonne idée de l'installer au confluent de la Dordogne et de la rivière Lille pour en faire un port maritime. Du coup, sa prospérité a été immédiate grâce au commerce des vins du coin, Saint-Émilion et Pomerol, envoyés essentiellement en Angleterre. Et c'est justement sur les bords de la Dordogne que Bruno attend Noémie. Et vu son accoutrement, on se demande s'il ne serait pas en plein jet lag. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Noël... Père Bruno, Noël, c'est terminé là. Noémie, tu me dis pas que tu sais pas. Ici, on est à Libourne. Et à Libourne, c'est ici qu'on reçoit tous les courriers qui sont destinés au Père Noël. Il faut savoir qu'ici, ils reçoivent à peu près par an près d'un million de lettres. Ah oui, quand même. Destinés au Père Noël. Non, mais c'est vrai, c'est non, pas des bêtises. Ah non, c'est pas des bêtises. Et puis c'est pris très au sérieux, tu sais. Et pour les enfants les plus sages, eh ben, le Père Noël y répond. Pour ceux uniquement qui sont très sages. Alors moi, sachez que je suis très 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 sage. Mais j'aimerais bien un petit cadeau quand même. Bon, écoute, je vais t'en faire un petit cadeau. Regarde, je vais te prêter mon petit chapeau. Comme ça, là, pour l'occasion, tu es la mère Noël. On va voir les boulangers ? Alors, c'est pas par là, c'est par là. Mais on peut faire un détour. Bon, bah vas-y, et moi je vais par là. Ok, alors rendez-vous à 5 minutes des bords de la Dordogne, dans une zone commerciale, où se trouve la boulangerie bleue de Xavier, l'homme aux lunettes et t-shirt vert, et son équipe très enjouée. Ici à Libourne, on fait du bon pain. Et c'est justement grâce à Xavier que depuis 2023, dans cette boulangerie pour le bon pain, on y revient. Avant que je reprenne cette affaire, il y avait des produits de qualité relativement moyenne, de la viennoiserie surgelée, des choses comme ça. La clientèle commençait avec la réputation à moins venir. Et mon challenge, c'est de redynamiser cette affaire avec de beaux produits et faire revenir les gens. Pour y parvenir, Xavier a de solides arguments. Des produits 100% faits maison, préparés avec des ingrédients de qualité et de saison. Sans oublier une solide expérience. Boulanger-pâtissier depuis 16 ans, Xavier a ouvert sa première affaire en 2013 en plein cœur de Bordeaux, une petite boutique de quartier où il a fait ses armes. À un moment donné, j'en avais un petit peu marre, hein, au bout de quelques années. Donc j'ai voulu changer sans partir trop loin. Et Libourne, j'ai trouvé que c'était une ville vraiment bien. Et cette boulangerie m'a plu, un beau magasin récent. Tout est de plein pied, donc ça c'est confortable pour travailler. À Bordeaux, moi c'était sur deux étages. Et Xavier a aussi trouvé Lionel, boulanger dans l'établissement depuis 20 ans. Aujourd'hui, le binôme est seul à assurer toute la production et travaille d'arrache-pied pour redorer le blason de la maison. C'est très agréable de travailler avec Xavier. Quand je sors de belles choses, je suis content. Donc bon, je rentre chez moi, je me dis tiens, t'as sorti ça, tiens, t'as fait ça aujourd'hui, tiens, c'était pas mal. Et il peut être content, Lionel, les efforts payent. Les clients sont de retour et depuis quelques mois, Xavier livre même ses produits à des restaurants et autres établissements de la ville. C'est une reconnaissance de dire bah, « je livre un tel ». Ils sont connus déjà, donc oui, j'en suis fier de les servir. Boulangerie, pâtisserie, pain et viennoiserie maison, élaborée avec du levain naturel et des farines de la Belle Rouge. Belle visibilité, tout est grand vitré. Petite terrasse là devant, j'aime bien cet arbre. Ouais, ce petit parterre et tout, bah, c'est très chouette. Ouais. Allez. Allez, poussez fort. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah ouais, dis donc, c'est... Effectivement, c'est grand, hein. Ouais, dis donc, j'avais pas vu la charpente comme ça. Je m'en ai pas compte. Oh, puis le vieux four à pain, là. Ah. Ouais, c'est un bel endroit. On cherche Xavier. C'est moi. Qui est, jeune homme ? Jérémy, qui s'occupe de la vente, de toute l'installation du magasin. Ah, il y a une salle à manger derrière ? Oui.
Ah, puis il y a le feu dans la cheminée là-bas. Ça fait tout de suite un petit côté chaleureux, tu vois. Bon, c'est très sympa, non ? Il y a des petits salons, des petites chaises hautes. En tout cas, c'est très moderne, c'est très joli. Alors, on a quoi comme type de pain ? Donc, le pain de 400, la tradition aux céréales, on la décline en sésame et la fameuse tradition classique. Du levain dedans ? Levain liquide. Et donc là, plus des pains spéciaux hein, devant. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a la coupe comme ça. On voit bien la garniture à l'intérieur. Je trouve ça très sympa. On fait du pain aux figues, du pain aux noix, pain de campagne. Mm-hmm. Vous avez le petit épeautre. Ah, dans la barquette. Et donc là, à côté, on a des gros flans et une grosse tarte au citron. Alors ça, c'est une 6 personnes. Alors tout le monde m'a dit que je suis généreux. C'est plus pour 12 que... Ça, c'est... Bah, oui, c'est 12 personnes, ça. Et donc là, la pâtisserie. Alors vous avez toute une gamme d'éclairs. Chocolat, soit pistache, soit café. Notre tiramisu spéculoos. Okay. Ça, ça marche pas mal. Une petite verrine ici, chocolat blanc, chocolat noir. Avec le fameux petit nounours. Ah, c'est marrant. Et puis donc là, une très grande partie snacking. Des pizzas, des sandwichs Bayonne chèvre. Pareil, hein, les pokéballs, elles sont quand même très, très, très c'est généreuses. Copieux. Hein. C'est copieux. Moi, je... Oui, c'est copieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en viennoiserie ? Alors, vous avez les croissants, les chocolatines, après une baguette viennoise, la torsade. J'ai vu des plunettes. Hein. Et ça, c'est un pain aux fruits rouges. Il y a de la crème pâtissière roulée à l'intérieur. Et après, je mets un cœur fruits rouges par-dessus et on passe en cuisson. Cannelé maison, bravo. Eh bien voilà, on a fait le tour. Ça y est, Noémie, c'est le moment. Votre tiramisu au spéculoos, je veux bien le goûter. Pas de problème. On a le spéculoos qui vient bien se mélanger à la crème. La crème est délicieuse. Après, c'est encore une fois une très belle portion. Mais c'est super bon et puis c'est une belle idée. Et puis en général, quand on aime le spéculoos, ça, on le prend direct. Qu'est-ce que tu as goûté ? Bah moi, on ne va pas bouger beaucoup. Moi, je veux bien goûter la baguette de tradition qui est juste dans le coin, celle qui est bien cuite. On a une croûte qui est bien marquée, on a une belle cuisson. Le seul petit souci que j'ai, c'est la signature du boulanger. Le lamage. On voit ici, hein, c'est bien ouvert, ici un petit peu moins. Mais elle est très très bonne. C'est très doux, on a du croustillant. C'est très bien panifié. Merci beaucoup, messieurs. Je vais mettre la note de 8. Je goûte la baguette de tradition. La baguette de tradition est très très bonne. On a une très belle fermentation, c'est bien cuit. J'ai le sentiment, par endroit, que ce soit sur le poste, je pense au poste viennoiserie, je pense qu'il manque un petit peu de garniture. Il y a encore quelques petites améliorations à faire. Eh ben moi, je vais mettre la note de 8. On a une jolie boutique, un très beau salon de thé, un peu ambiance cheminée, feu de bois. La pâtisserie, c'est assez carré, mais c'est quand même très classique. Je goûte d'ailleurs le tiramisu et il est très bon. Une boutique au rodage, mais pleine de promesses. Un peu plus d'audace et de générosité et le tour sera joué. Notre jury décerne à Xavier la très satisfaisante moyenne de 8. William et Julien, qui représentent la boulangerie de Stéphane, démarrent donc la compétition en tête du classement. Mais il reste encore 3 épreuves à Xavier pour épater notre jury, dont le défi de Noémie autour d'un fruit à coque fier de ses origines, la noix du Périgord. Amis boulangers, c'est à vous de nous surprendre. Intégrer la noix avec gourmandise et plaisir, bien sûr. À présent, nos deux boulangers vont nous faire découvrir leurs produits fétiches. À l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur 10. Retour à Créon, où l'on découvre, tout proche de la place du marché, l'église Notre-Dame. Édifiée au 15e siècle et classée aux monuments historiques, elle a la particularité d'avoir une nef unique, c'est-à-dire sans bas-côté, comme c'est presque toujours le cas dans les églises des Bastides. Et si, au chemin de la foi, vous préférez les sentiers de campagne, vous serez forcément aux anges, puisque Créon est entouré de magnifiques paysages vallonnés où il fait bon flâner. Et tant de beauté, ça mérite bien quelques fleurs, non ? Tiens, 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 mon Bruno !
Quentin t'a offert des fleurs ? Mais non, c'est pour toi, mon Bruno. Je t'ai élu rosier de Créon. C'est alors, quoi, l'histoire ? Ici, c'est une vraie tradition. C'est un concours qui met à l'honneur les jeunes, tu vois, de la ville. Donc ça tombe bien, je suis jeune. Exactement. Et donc, on a Antoine, un artiste qui a légué sa fortune à la ville. Il a dit en contrepartie, je voudrais mettre à l'honneur les jeunes. Et on va élire, voilà, la fille la plus vertueuse et le garçon le plus talentueux artistiquement. Donc je me suis dit que j'allais t'acheter quelques fleurs. Non, ça voilà. C'est top, hein. Bon, ben Bruno, même si tu es le meilleur boulanger pour moi, on va aller rencontrer nos amis boulangers qui nous attendent à Créon. Eh ben écoute, hein, Créon, autre chose. Créon donc de la gourmandise. Le produit que William et Julien, les représentants de la boulangerie de Stéphane, vont présenter à notre jury, n'en manque pas. Il s'agit d'un gâteau qui célèbre le café, le Krusty Club. Qu'est-ce qui vous motive pour nous présenter ce produit-là ? C'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Ce produit sous ce format-là est déjà au magasin depuis un petit moment. On a décidé d'utiliser le torréfacteur qu'on a à côté pour travailler le café et mettre en place un produit au café. Le café vient d'où ? Du Brésil. Donc en fait, vous recevez les grains et vous les torréfiez sur place ? Oui, voilà, exactement. Et il n'y a pas que le café qui est torréfié, des noisettes aussi. Julien les broie pour préparer un croquant avec du beurre pommade, de la cassonade, de la farine et passe le tout au batteur. On répartit ça dans les deux cadres. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas simple à faire. Pas simple du tout. Mais... Bon, le pâtissier s'en sort, le boulanger qui a un peu de mal. Tiens, William, essaye avec ça, là. Merci. Il a la pression, William. Mais non, regardez, c'est beaucoup mieux. Maintenant, place au pain de gêne. Au batteur, Julien détend une pâte d'amande au café avec du sucre, puis incorpore progressivement des jaunes d'œufs, le fameux café torréfié et du beurre fondu. On a déjà cette couleur légèrement café et tout, c'est très beau. Dans le beau mélange, Julien ajoute de la farine et de la levure. Le pain de gêne est coulé dans la foulée sur le croquant noisette, puis direction le four à 170 degrés pour 10 minutes. Pile poil le temps de préparer une ganache au café, bien sûr. La crème a été portée à ébullition, vous avez mixé le café dedans. Voilà. Maintenant, on va le passer. Alors, je vous confie une petite chose, je ne bois jamais de café. Mais... j'adore le manger. Bon, ça va alors. Ça va. Ah bah ça va alors. La crème peut partir se reposer, histoire de bien infuser. 12 heures plus tard, Julien la remet en cuisson et incorpore de la poudre de lait et du dextrose, un sucre élaboré à partir de maïs. Un petit peu de beurre, voilà. Et donc là, vous allez verser sur le chocolat. Voilà. William, il va mélanger et le reste va... Voilà, tout est prêt pour le montage. Sur l'une des deux plaques, croquant en noisette et pain de gêne, Julien étale de la marmelade maison et fait couler de la ganache au café. Il recouvre le tout de la seconde plaque imbibée de café. Le gourmand rectangle est ensuite détaillé en triangle grâce à un jet d'eau haute pression et haute précision. Ah, il n'y a pas à dire, on est à la pointe de la technologie chez nos géants de la boulange. Est-ce que Stéphane est par là ? Mais oui, bon, il est jamais très loin, Stéphane. Bien sûr. J'arrive, tu vois, c'est toujours pour le meilleur. Voilà. Allez. C'est une forme qui est simple. Est-ce que vous avez pensé cette forme ? En fait, on avait cherché la praticité du produit. On voulait quelque chose qui se rapproche un petit peu de la street food. Et du coup, le fait d'avoir ce triangle, vous pouvez vous régaler et enfourner le Krusty Club directement dans la bouche. C'est un mot de boulanger, ça. On a de très très belles textures avec cette générosité, avec toutes ces noisettes qui viennent craquer. Et on a vraiment ce côté torréfié et l'orange est très discrète. Mais quand on tombe dessus, ça vient apporter un petit peu de fraîcheur. Alors, on n'a pas de chichi, il n'y a pas de petite décoration, mais c'est très élégant, c'est épuré. J'aime beaucoup cette création, bravo. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de déco dessus. Hein. C'est le produit qui a une déco à lui-même, quoi, quelque part. Hein. Moi, tout de suite, j'ai d'abord la noisette en bouche, parce qu'elle est très présente sur la périphérie. Ensuite, j'ai le café qui vient arroser un petit peu tout ça. Et on finit un tout petit peu avec l'amertume et le côté orange. Mais je trouve ça très, très bon. Je vais remettre la note de 9. Alors, c'est une forme qui est carrée, simple, coupée. Mais bon, je trouve ça très bon. L'association du café et de l'orange, bah, fallait oser. Moi, je trouve que ça se marie très bien. C'est très gourmand, c'est très croustillant. C'est un très beau produit. Bravo. Je vais mettre la note de 9. On a un club sandwich sucré en mode 2.0. C'est très sympa, cette association de café, de chocolat. Une petite touche d'acidité et de fraîcheur avec cette marmelade d'orange. Le pain de gêne est très bien imbibé. Et en plus, c'est... c'est leur
meilleurs cafés qui vont te réfier. Bravo pour l'idée. Même si sa forme manque de fun, sans hésiter, notre jury adhère au fan club du Krusty Club. Stéphane, le patron, peut féliciter Julien et William, son tandem de géants de la gourmandise. Il décroche la moyenne très caféinée de 9. Allez, on repart à Libourne où Xavier et Lionel, son boulanger, vont faire découvrir à notre jury tous les secrets de leur snacking sucré-salé aux pommes et boudins noirs. Il y a intérêt à tenir ses promesses. Le chausson, très, très gourmand. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce boudin? Il est peut-être fait ici? Donc, je l'ai acheté au petit boucher du quartier, qui a même pas un kilomètre d'ici, donc voilà. Moi, j'adore le boudin noir en plus, donc bonne recette. Pourquoi nous présenter ce produit particulièrement? C'est notre produit salé qu'on essaie de faire découvrir à nos clients. Mais c'est un produit qui existe déjà, hein. C'est pas une création pour le coup. C'est quelque chose que j'ai mis il y a pas très longtemps. Je le mets ce jour à l'honneur. Et pour cette découverte prometteuse, tout le monde met la main à la pâte. Ça pèle des oignons, ça les fait revenir et ça pèle des pommes aussi. Alors les peaux des pommes, on les fait sécher au four. On mixe ça et ça nous fait une petite poudre aromatique pour des desserts. Super astuce Noémie, merci. À présent, Lionel découpe les pommes et le boudin du boucher voisin. Les morceaux rejoignent ensuite les oignons dans la poêle avec un peu de sel. Et c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Ça sent déjà bon, hein? Ouais, ça sent bon. Et vous déglacez pas un petit peu avec un peu de vinaigre de cidre ou un petit peu d'acidité? Il n'y a pas longtemps qu'on fait la recette, mais c'est une bonne idée. C'est pas grand-chose, mais ça apporte un peu de peps. Eh ben, on ne l'arrête plus, notre Noémie. Maintenant que le conseil est noté, sur des fonds de tarte en pâte feuilletée, Xavier dépose sa garniture sucrée-salée, puis referme son chausson avec un second disque de pâte. Pour la mise en beauté, Xavier applique une dorure à l'œuf, réalise un motif au couteau et n'oublie pas une petite cheminée. Les chaussons très très gourmands sont ensuite enfournés 30 minutes à 180 degrés. Messieurs, c'est terminé. Les petits chaussons sont refroidis. Vous nous rappelez le nom du produit? Le chausson très très gourmand. Très très gourmand. Allez, ça on va laisse goûter. Imaginer beaucoup de garniture. C'est très très gourmand. On a les pommes qui apportent un petit peu de douceur, l'oignon qui finit un petit peu d'assaisonner tout ça. Ça servi avec une petite salade, avec une petite vinaigrette. C'est un super repas. La pâte est bien faite, c'est croustillant. Si je dois dire un seul petit bémol, c'est simplement sur l'aspect extérieur. C'est plutôt simple, mais par contre c'est très très bon. Et puis surtout c'est atypique en boulangerie. Moi je vais vous donner une petite astuce dans le montage. Vous avez deux pâtes de forme identique. Ce qui, au montage, vous oblige involontairement à garnir que le centre. Ce qui fait qu'on a très peu de garniture. Pour aller garnir au maximum sur la périphérie, vous faites un disque qui est plus grand sur le dessus. Comme ça, vous aurez de la garniture un petit peu plus, parce que moi, c'est ce qui manque un peu. Et oui, Noémie a raison, on fait n'importe quelle forme aujourd'hui avec le feuilletage. Là, on est sur une forme qui est très, très simple. Mais effectivement, c'est bon. Je vais mettre la note de 6. Alors, c'est très bon, hein. Les oignons, des pommes et du boudin. En plus, moi, le boudin noir, j'adore ça. Mais voilà, ça manque quand même un peu de précision et un peu d'audace. Je vais mettre la note de 7. Je rejoins Bruno, c'est un petit peu simple, quoi. On aurait même pu s'amuser sur la décoration, la scarification, faire quelque chose d'un petit peu plus original. Mais ça reste très bon. Ce chausson aux pommes et boudin noir porte bien son nom. Il est très, très gourmand. Mais il est aussi très, très simple. Il va donc falloir pimper la recette. Xavier décroche néanmoins la très, très honorable moyenne de 6,5. Côté classement, pas de changement. William et Julien, nos géants de la boulange, restent sur la première marche. Mais Xavier, notre artisan en reconquête, n'a pas dit son dernier mot. Il lui reste encore deux épreuves pour se refaire. Tout de suite, nos boulangers nous révèlent tous les secrets de leur pain signature. À la clé, une troisième note sur 10. Retour à Créon chez nos géants de la boulange. Cette fois, c'est William, le boulanger du duo, qui prend les commandes pour présenter à notre jury une création, le pain aux graines de courge et cranberry sur un levain de basilic. Un levain de basilic? C'est ça. Les levains s'aromatisent de plus en plus, je trouve, dans notre métier. Hein, pour le faire, vraiment, le levain, il faut déjà plus de 10 jours. Donc il faut être très patient pour faire ce pain. L'idée du quadrillé dessus, ça signifie quoi? En fait, c'est nous, on a voulu essayer
plusieurs pochoirs et c'est celui qui mieux le ressortit, en fait, de tous les pochoirs. Dites-le, vous aimez jouer aux échecs et aux dames. Aussi, j'aime bien, oui, c'est vrai. Ben, mon fils. Pardon de vous déranger, mais on est surtout là pour faire du pain, hein. Alors, pour commencer, William lance une autolyse en mélangeant de la farine de blé et de seigle avec de l'eau. Après 5 minutes de pétrissage, il laisse sa pâte reposer 30 minutes. Au bout de la demi-heure, on va ajouter tous les ingrédients. Donc, le levain de basilic, tu peux mettre le sel, vas-y. Les graines de courge torréfiées et les cranberries qui ont été infusées dans du jus de pamplemousse et du thé aux agrumes. Et là, du coup, là, je relance pour 15 minutes. Une fois le pétrissage terminé, William donne à sa pâte bien gourmande 3 rabats, puis il la divise et boule des pâtons. Ensuite, il prépare une enveloppe. Je mouille la pâte que je mets dans les graines de courge et là, je l'enroule. Et William dépose son pâton en bannetons. Après 12 heures de pousse, il floque le fameux pochoir damier, puis donne un petit cours de scarification à Julien, son acolyte pâtissier. Là, le but, c'est de ne lamer que la pâte qu'on a mis en plus. Ok. Il faut qu'on arrive normalement à voir les graines de courge. Tu vois, les voilà. On voit juste les graines de courge. Content de son coup de lame, William fait cuire son pâton 20 minutes à 270 degrés, puis 20 minutes à 230, et le laisse ensuite sécher 20 minutes à four éteint. Oui, c'est très précis. Bon là, tu vois, on est bien, on a une belle couleur. Joli. Ça va plaire joli, ça. J'espère. On a fait un effort sur le visuel, donc normalement, ça devrait le faire. Le basilic, je vais être très honnête, je ne l'ai pas trop. Le cranberry, tout ce qui est dedans, c'est très riche, c'est très présent. On en a à toutes les bouchées. On a du croustillant, malgré que ce soit un pain qui ne soit pas directement coupé. Et celui-ci, il est scarifié simplement pour que la petite peau là, qui est sur le dessus s'ouvre. Moi, je trouve ça très bien fait. Et puis, c'est toute la philosophie qui est un petit peu derrière tout ça. Ce levain au basilic, cette recherche, cette idée. Je trouve ça plutôt très intéressant. Il est très bien cuit. Alors moi, c'est ma petite partie préférée. J'adore toujours casser le petit coin et que ça croustille dans la bouche. Gustativement, on ne retrouve pas trop le basilic. Par contre, on l'a bien à l'odeur. C'est très vert. C'est un pain qu'on pourrait déguster avec une petite salade de mini pâtisson presque en carpaccio avec une petite vinaigrette légèrement avec du miel ou autre. Ça irait très bien avec ce type de pain. Ce que j'aime beaucoup, et c'est très présent, c'est les graines de courge parce qu'elles sont torréfiées à l'extérieur. C'est hyper, hyper gourmand. J'aime beaucoup ce pain. Bravo. Une très belle association et un joli travail. Il y a plein de choses dans ce pain. Il y a une forme, il y a des graines de courge, il y a du croustillant, du moelleux et surtout de l'originalité dans cette conception du levain en basilic. Moi, un petit coup de cœur, je vais mettre la note de 9. Je vais mettre la note de 9. C'est une première pour moi, ce levain de basilic dans un pain. On l'a bien à l'odeur, un petit peu moins au goût. Mais je trouve l'idée géniale. Il y a de l'audace et c'est un très bon pain. On ne le dira jamais assez, il faut oser. Et on est récompensé. Ce pain gourmand à la déco en damier est très loin d'être un échec. C'est même une belle réussite, récompensée par la très savoureuse moyenne de 9. Allez, on reprend la route direction de Libourne pour découvrir le pain de Xavier, notre artisan en reconquête. Et pour animer le trajet, Maître Bruno propose un petit quiz spécial qui ? Bah, spécial lui. 3 propositions, une seule bonne réponse et c'est parti. J'ai déjà rencontré Jacques Chirac, Renaud, le chanteur, Paul Bocuse. Celle qui est fausse, c'est celle que tu as rencontrée, Renaud, mais t'aurais aimé. C'était mon chanteur préféré quand j'étais ado. Et j'ai toujours d'ailleurs ses albums, je les suis toujours un peu. Deuxième manche, un sanglier a foncé sur ma voiture. Mmh. Un hibou, pour le citer, le grand-duc, s'est posé sur mon bras. Je me suis ramassé à cheval en bord de mer. J'hésite. Moi, je pense que le grand-duc, c'est faux. Alors, c'est le sanglier qui est faux. Ah ouais, ouais. T'as déjà fait le grand-duc sur Ouais, j'ai déjà supporté en séquence avec Norbert. À une époque, on avait été visiter une fauconnerie et on avait chacun un grand-duc sur le bras. Wow. Et j'ai une autre anecdote avec le duc. Là, c'était pas le grand, c'était le petit duc qui s'est posé sur un arbre qui était juste à côté de ma chambre d'hôtel Oui. Et qui a chanté toute la nuit. Et il faut savoir que le petit duc, quand il chante en période amoureuse, il fait comme ça. Il fait bip, bip, bip. Et donc, lorsque je suis descendu le matin au petit déjeuner,
La dame de l'accueil me dit, alors, monsieur Cormeret, vous avez passé une bonne nuit? Je dis, écoutez, je pense qu'il y a un système d'alarme dans l'hôtel qui s'est déclenché. J'ai entendu un bip toute la nuit. Et la dame me dit, oh, c'est pas vrai, c'est le petit duc, il est revenu. Bip, bip, bip. Apparemment, le petit duc est toujours pas reparti. Ah non, pardon, c'est le GPS qui bip pour nous dire que nous sommes arrivés à Libourne. La preuve, voici la porte du Grand Port, ultime vestige de l'imposante muraille de 15 mètres qui protégeait la ville jusqu'au XVIIIe siècle et qui était jalonnée par 9 portes. Celle du Grand Port était très fréquentée par les marins, les dockers et les négociants parce que la nuit tombée, elle était la seule munie d'un guichet permettant d'entrer dans la ville après permission du corps de garde. Aujourd'hui, pour aller chez Xavier, c'est accès libre. Notre artisan va présenter à notre jury un pain de mie fruité auquel il tient, l'abricotine. Pourquoi l'abricot? Vous avez quelque chose de particulier? Moi, personnellement, j'aime beaucoup et ouais. Je trouve que ça va très bien. Mmh. Il y a un sirop dessus, non? Parce que je vois qu'il cristallise oui, un peu. Il y a un sirop à 30 pour faire briller et faire coller les petits dés. D'accord. Bah, Bruno. Mmh. Apparemment, Bruno aussi aime bien les abricots. Pour préparer son pain de mie, Xavier mélange farine de gruau, sel, sucre, crème épaisse, levain naturel, œufs, une touche de miel et de l'eau. En cours de pétrissage, il ajoute du beurre. Mais c'est pas fini. Donc là, je vais ajouter les abricots secs. Il y a des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de sésame et des graines de millet. Quelques tours de pétrin pour bien intégrer tout ça, puis Xavier décuve sa pâte, la détaille en pâtons qu'il boule dans la foulée. Et j'en mets 3 dans le fond du moule. Donc là, je mets à l'étuve pendant 2h30 à pousser. Et revoilà nos abricotines bien gonflées. Un peu de dorure, quelques dés d'abricots secs pour la déco. Et Xavier envoie ses moules en cuisson 45 minutes à 200 degrés. Donc normalement, ça devrait être impeccable. Voilà. Mon abricotine est parfaite. Très bon en termes de mie, ça se détache un peu comme un cake, c'est très fondant. J'aurais peut-être pas mis de graines de lin, je serais peut-être resté vraiment que sur le fruit. On aurait pu pétrir aussi avec un peu de jus d'abricot pour renforcer un peu ce côté un peu gustatif. C'est simple, hein, c'est des boules associées l'une à l'autre. Bon, je pense qu'on l'a tous compris, hein, le petit défaut de ce pain, c'est que bah, tout ce qu'il y a dessus, ça tient pas, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Quand on le tranche, ou ça reste dans la trancheuse ou dans le sac. Voilà, c'est simple, mais moi, je trouve ça bon. Sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était de la brioche. Oui. Et c'est vrai que quand on le goûte, bah, c'est absolument pas sucré. On a un petit peu de touche de sucre avec les abricots qui sont à l'intérieur. C'est très frais. Moi, pour le coup, les graines, j'aime bien. Ça vient craquer un peu sous la dent. Alors, c'est vrai que ce pain-là, on pourrait le servir pour le petit déjeuner, pour le goûter. Mais je pense qu'aussi, en entrée ou au niveau du fromage, toaster une petite tranche, mettre un petit fromage frais de chèvre dessus et un petit granola de graines de courge, par exemple, ça irait très, très bien. Je vais mettre la note de 6, on a ces petits dés d'abricots qui sont sur le pain et qui tiennent pas. On a une forme, ces 3 boules qui sont posées dans un moule. Moi, j'aurais travaillé un peu différemment, on aurait pu mettre du thym, on aurait pu pétrir avec du jus d'abricot. Voilà, c'est un produit qui pour moi mérite encore un peu de travail et puis d'aboutissement. Je vais mettre la note de 8. Ben moi, j'ai bien aimé ce pain avec ses abricots à l'intérieur. C'est très généreux. Il y a les petites graines qui viennent craquer. Je trouve un petit peu dommage, et je te rejoins, du fait que ça ne tient pas très bien dessus. Mais on a un petit aspect brioche qui me plaît bien. L'abricotine partage notre jury. Allez, quelques ajustements dans la recette et tout le monde sera réuni autour de ce pain de mie fruité. Aujourd'hui, Xavier décroche la très encourageante moyenne de 7. Pas de surprise au classement général, la boulangerie XXXL de Stéphane, représentée par William et Julien, est toujours bien installée à la première place. Xavier va devoir faire un pas de géant pour inverser la tendance, mais à Libourné, rien d'impossible. Alors vite, passons au défi.
Aujourd'hui, nos artisans vont devoir intégrer un produit local. Notre chef pâtissière Noémie Ognat, elle, a déjà trouvé une idée de recette. À l'issue de cette ultime dégustation, une 4e note sur 10. On va pâtisser ensemble une recette un petit peu classique aux noix, le gâteau aux noix. Et on va l'accompagner d'une petite crème au beurre légère au café. Pour le moelleux aux noix, je vais avoir besoin de noix, du Périgord évidemment, des œufs, un petit peu de farine, du beurre fondu, un petit peu de sucre, du chocolat blanc, un tout petit peu d'huile de pépins de raisin, quelques grains de café au chocolat et évidemment un petit peu de vanille de la Réunion. Pour la crème au beurre, du beurre, un petit peu de sucre glace, une petite gousse de vanille et de l'extrait de café. Pour commencer et avoir une texture onctueuse, bien mousseuse et ultra moelleuse, on va bien blanchir les œufs et le sucre. Pendant que les œufs blanchissent, Noémie récupère les graines d'une gousse de vanille qu'elle mélange à du beurre fondu. Surtout, on ne jette pas la gousse, on peut la réutiliser pour faire des crèmes pâtissières infusées dans du lait chaud ou simplement dans votre boîte à sucre, vous allez obtenir du sucre vanillé naturellement. Le beurre vanillé est ensuite versé sur les œufs blanchis, suivi par la farine et la levure. Un petit mélange au batteur, le temps que Noémie s'attaque aux noix du Périgord. Pour concasser des noix délicatement, on vient prendre un torchon propre. On ajoute ces noix, on remet le petit torchon dessus et avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour, en quelques secondes, on a des noix concassées. Ouch ! On n'aurait pas aimé être à leur place. Les noix martyrisées sont ensuite versées dans l'appareil à moelleux, puis le tout est poché dans des moules. Et ça part au four une dizaine de minutes à 180. On varie le temps de cuisson en fonction de son moule et l'épaisseur de son gâteau. Et pendant que ça cuit, Noémie blanchit un beurre pommade au batteur. Elle ajoute ensuite les graines de vanille, du sucre glace et de l'extrait de café. Moi, j'aime bien mettre quelques gouttes. Hop, et on remet ça à battre. À présent, place au montage. Noémie trempe un côté de ses moelleux cuits dans un mélange de chocolat blanc fondu et d'huile de pépins de raisin. Et sur l'autre côté, elle poche sa crème au beurre qu'elle décore de morceaux de noix et de grains de café au chocolat. Et pour terminer, j'ajoute quelques fleurs comestibles, les étoiles d'Égypte, qui vont apporter beaucoup de finesse. Et voilà, j'espère que ma recette aux noix vous a plu. Maintenant, amis boulangers, c'est à vous de nous surprendre. Intégrez la noix avec gourmandise et plaisir, bien sûr. Amis artisans, c'est à vous de jouer pour sublimer ce petit trésor local. Les noix du Périgord. Pâtisserie, sur une pâtisserie. Mieux la maîtriser, ouais. La noix. Tu peux peut-être mettre la d'aquoise avec des morceaux de noix dessus. Ok. C'est sympa. Ok. Si on part sur un caramel, pareil, on peut mettre des éclats de noix dedans. On peut venir pocher la ganache montée dessus. Ouais. Moi, j'ai peut-être une idée pour un banana bread. Ouais. Un petit cake en format rectangulaire. On part sur ça. Allez. Pour relever le défi, à Créon, William et Julien partent sur un entremets composé d'un biscuit d'aquoise et caramel aux noix, surmonté d'une ganache au chocolat et d'un praliné aux éclats de noix. Suivant les conseils de Julien, le pâtissier du tandem, William lance le biscuit d'aquoise. Et qui voilà déjà le produit imposé. Des petits morceaux de noix là pour avoir un peu de croquant. Ça va cuire avec le biscuit gentiment. 17 minutes au four. À Libourne, Xavier et Lionel misent sur un cake à la banane agrémenté de noix du Périgord. Xavier lance sa pâte à cake à la banane et dégaine tout aussi rapidement les fruits secs du Périgord. Je mets mes noix torréfiées dans la préparation. Alors gentiment, pour pas non plus les broyer. Xavier garnit ses moules et les envoie en cuisson. Pendant ce temps, à Créon, Julien finalise un praliné aux noix, tandis que William, le boulanger, se lance pour la toute première fois dans la délicate préparation d'un caramel. Oui, oui, on commence par le sucre, William. Plus tu vas en mettre et plus ça va prendre de temps. Tu le laisses. Quand ça commence à fondre et que t'as plus de grains, t'en rajoutes. Et je mélange tout le temps, pardon. Voilà. Et il faut pas que ça fume. Hein. Caramel qui fume, caramel qui brûle. D'accord. Oula, ça fume, Julien, au secours! C'est sûr qu'ils font le sucre. J'arrive. Non, mais ils fument, ils font pas, quoi. C'est juste. Si, j'apprends. Ah, c'est pas facile d'être pâtissier, hein? Le caramel sauvé est déglacé avec de la crème et du beurre. Julien y ajoute du chocolat, des éclats de noix et le caramel peut être coulé sur le biscuit d'aquoise, tout juste sorti du four. Et voilà, on va laisser refroidir tout ça. Et tandis qu'à Créon, ça part au froid, à Libourne... Qu'est-ce que vous faites? Là, je fais un petit caramel pour faire une petite déco sur le cake banane-noix.
Ça va être sympa, ça. Oui. J'incorpore le beurre. Et là, progressivement, la crème liquide. Du côté des géants de la boulange, on rallume la fameuse machine à jet d'eau haute pression pour détailler des disques dans le biscuit d'aquoise, caramel et noix. Julien les trempe ensuite dans un glaçage rocher au chocolat au lait et éclat de noix. Et une fois refroidi, William les dépose sur un sablé. On va le poser là. Alors ça, c'est bon. Je vais mettre le caramel. Et hop, les noix par-dessus, bien parsemées. C'est bon, parfait. Ma ganache, elle est bien montée. Et là, le praliné. Petite noix au sucre. Comme ça. Bon, bah, on est pas mal, ça te plaît, William ? Ah oui, c'est très joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Magnifique. C'est bon, ça va leur plaire ? Ça devrait. Allez, on met en boîte. Allez, le petit dernier. Ferme la boîte. Allez. C'est parti pour la dégustation. Allez, on y va. On y va. Allez, parti. Allez, on espère que ça va leur plaire. C'est au milieu des vignes du domaine viticole de Chevalier à Léognan que notre jury attend nos artisans pour l'ultime dégustation de la journée. Pour tester leur imagination sans limite, Noémie les a mis au défi d'intégrer dans une création un fruit à coque qui fait la fierté de la région, la noix du Périgord. Alors, les choix de nos artisans vont-ils enchanter le palais de notre trio de gourmands experts ? Messieurs, la noix, comment vous l'avez travaillée ? Je l'ai torréfiée, histoire de développer son arôme. Et je l'ai incorporé dans ma recette de ce cake. Messieurs. On l'a fait en broyé pour faire une d'aquoise. On a fait un caramel aux noix et un praliné aux noix. La dégustation commence avec le cake banane-noix de Xavier et Lionel. Un cake à la banane et aux éclats de noix torréfiés, recouverts d'un caramel et d'éclats de noix. Je trouve qu'il a une très belle texture à l'intérieur. C'est très moelleux, c'est fondant, c'est pas trop sec. La noix, on en a partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Le seul petit reproche que je vais vous faire, c'est sur l'aspect extérieur, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus net, mettre les noix un petit peu plus joliment. On aurait pu prendre son temps pour faire ça. Mais sinon, c'est un très bon cake, noix et banane. Alors, c'est très bon. Hein. Vous mettez sur le magasin, ça va être une tuerie, les gars, avant. Il n'y a aucun souci. Mais là, aujourd'hui, on vous demandait de mettre la noix en avant. Et malheureusement, je finis sur la banane, quoi. La noix a un peu de mal à exister. On l'a dans les textures, on l'a dans le croustillant, ce qu'elle va apporter avec sa texture qui est un peu rigide. Mais je suis plus sur un cake à la banane aux noix qu'un cake noix à la banane. Suite de la dégustation avec le trésor du Périgord de Julien et William, un entremets sur une base de sablé surmonté d'un biscuit d'aquoise, caramel et noix, glacé façon rocher, d'une ganache montée au chocolat au lait, d'un insert praliné aux noix et d'éclats de noix au sucre. Je crois que j'ai un vrai coup de cœur pour ce produit. C'est excellent, j'ai jamais mangé la noix comme ça. Là, vous l'avez travaillé quand même sur beaucoup, beaucoup de préparations différentes. Quand on coupe, on a cette gourmandise de corps coulant, le praliné noix qui vient un petit peu lier l'ensemble. C'est une magnifique réalisation. Moi, tout l'esprit de la noix, il est dans la d'aquoise. Là, j'ai vraiment la noix qui s'exprime pleinement. Moi, je me pose la question sur le sablé. Je ne sais pas s'il apporte quelque chose. Pour moi, non. Tout ce qu'il y a au-dessus est vraiment très, très bon, par contre. Ça, il n'y a pas de problème. Et la noix est très bien travaillée. Belle pièce. Moi, je trouve que le sablé, il est délicieux. Et je trouve qu'il amène vraiment quelque chose dans la dégustation parce qu'on a quand même des textures qui sont assez fondantes. Et je trouve que le sablé, il amène ce côté un petit peu de la noix quand on l'a en bouche, quand ça roule un peu. Je crois que moi aussi, j'ai un petit coup de cœur avec ce produit-là. Je crois que vous avez bien traité la noix. Messieurs, bravo. Messieurs, on va délibérer, on revient tout de suite. Bon, les noix, hein, franchement, elles ont été plutôt très, très bien traitées. En pâtisserie, on a deux beaux produits, mais alors il y en a un. Moi, j'ai un réel coup de cœur. Effectivement, moi, j'avais un petit peu la crainte de retrouver la noix que sur du pain. J'aurais trouvé ça un petit peu simple. Par contre, il y en a un, moi, j'ai vraiment une dominance. Enfin, je suis désolé, pour moi, c'est vraiment trop une dominance sur la banane, quoi. Mm. C'est très bon. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais c'est la banane qui domine. Je trouve qu'on est à ce niveau-là, il faut un peu plus de travail, quand même, un peu plus de finition aussi.
Bon, il n'y a pas photo, quoi, là. Hein. On va la annoncer. Allez. Notre choix est fait. Notre choix est fait. À ce stade, Julien et William, nos géants de la boulange, sont en tête avec l'excellente moyenne de 9,3. Apparemment, ça leur a plu aux trois, donc on est plutôt contents, même très, très contents. Xavier, notre artisan en reconquête, les suit avec la moyenne de 7,2. Je pense qu'ils ont apprécié le cake. Après, bon, voilà, la noix n'est pas assez présente pour eux. On rectifiera plus tard. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter le pays bordelais ? Verdict. C'est l'heure des notes. Xavier et Lionel, pour le défi du jury, vous avez eu la note de 7 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 7,1 sur 10. Bravo. Bravo, messieurs. Julien, William, c'est à nous. Pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 9,3 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale, messieurs, de 9,3 sur 10. C'est donc vous qui remportez cette journée. Bravo. Bravo, messieurs. Bravo à tous. Je m'attendais, vu les adversaires, c'est assez juste. Voilà. On est content, là. Ouais. On est fiers pour toute l'équipe de la boutique aussi. Oui, voilà, oui. Et pour les patrons, pour tout le monde. On est très, très contents. Très, très contents. William, Julien, bravo. C'est vous qui remportez cette journée. Très, très beau magasin. Bravo à tous. C'était magnifique. Des super produits. Félicitations. C'est donc William et Julien de la boulangerie de Stéphane qui représenteront le territoire de l'Entre-deux-Mers en Gironde lors de la délibération finale. À Créon, nous l'aimons ! Demain, dans le bassin d'Arcachon, il y aura de la passion, du fait maison et bien sûr, des dégustations. Il faut que je puisse tartiner la rillette. Il n'y a personne qui a un couteau alors, sur lui. Alors, le mec. C'est sexuel, ça. Le mec, c'est Rambo. C'est pas un couteau, c'est une machette. Bah oui, mais moi, j'en ai un dans la voiture.